pour me saluer. Alors Dieu a coulé la mukia mieux. Non pour acclamer ton voisin. Dieu a pas nakumkumu kumkumpiya mikono kumpembeni yako. Non pour acclamer les anciens. A pas nakupiya mikono basé. Mais j'aimerais que. Mais mina penda. Nous puissions saluer la présence du Saint Esprit. Mula mukia wapo aromu takatifu. Au milieu de nous. Katikati yetu. Au travers le mouvement de bruit. Kupitia makelele. Est-ce que nous pouvons acclamer? Tu laisses kupika mikono. Est-ce que nous pouvons saluer la présence du Saint Esprit? Wapo aromu takatifu. Au milieu de nous. Acclame la présence de Dieu. Il y a près de nous. La qualité d'aujourd'hui. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit aime toujours le mouvement. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours eu des mouvements. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, comme nous sommes là ce matin, nous devons être en mouvement. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui travaille dans le mouvement. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très heureux ce matin, vu que le Seigneur nous a donné cette opportunité de se retrouver encore dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas donné à une personne qui a la volonté de venir dans la présence de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui c'est un dimanche. Les autres, c'est une journée où ils sont libres. Tu peux prendre la décision en disant, comme je suis libre, c'est le temps pour moi de faire l'entretien de la maison. Soit comme je suis libre, je vais aller visiter les gens le matin. Mais toi, tu as décidé ce matin de venir dans la présence de Dieu. Tu es le bienheureux parce que tu es dans la présence de Dieu. Et j'ai toujours dit, il y a toujours une différence quand on est ailleurs et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, notre Dieu ne restera jamais indifférent sur ta vie. Notre Dieu ne restera jamais indifférent sur ta situation. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller à une bonne adresse, celle dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni pour ta présence ce matin. Je dis sois béni pour ta présence ce matin. Même si tu ne veux pas la bénédiction, moi je te bénis parce que tu es dans la présence de Dieu. Même si tu es lourd, moi je te bénis parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas venu me suivre, tu n'es pas venu m'écouter, mais tu es venu écouter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui c'est un dimanche où nous devons encore prêcher. J'espère bien que la semaine a commencé depuis le mardi et nous étions ici. On nous avait enseigné. Le jeudi encore, on nous avait encore prêché et on avait prié. Alléluia. Amen. Avant que je ne commence, j'aimerais remercier le dirigeant de l'église. J'ai dit merci à papa. Bien qu'il n'est pas là, j'ai dit merci parce qu'il nous a choisi ce matin. J'espère bien, malgré que papa n'est pas là, même la présence de maman, peut nous réconforter. Maman, soyez bénie pour votre présence ce matin. Alléluia. Amen. Merci aussi
au collège des anciens et tous les serviteurs ainsi qu'à l'équipe de l'intercession parce que vous ne cessez de nous soutenir dans la prière. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse vous bénir. Merci également à toi maman, à toi aussi mon frère, ma soeur, d'être là ce matin. Et j'espère bien que nous allons parler parce que tu es là. Et c'est ta présence qui va m'encourager de parler. Et encore ton amen va m'encourager de parler encore. Alléluia. Amen. Voilà, le mardi, nous étions là. On nous avait parlé par l'homme de Dieu. Papa Shadrach. Il nous avait parlé sur la vie d'un juste. La vie de quelqu'un qui est juste. On nous avait enseigné beaucoup de choses. Si on essaye d'y entrer en profondeur, on va perdre le temps parce que déjà, je crois, le temps nous fait déjà défaut. Et j'ai dit également, ancien Tijika nous a prêché une bonne parole. Il parlait sur tu seras béni. Alléluia. Amen. Je le dis encore, tu seras béni. Mais la semaine je le répète encore, tu seras béni. C'est ce que nous a prêché. Et certainement nous avions été bénis. Alors ce matin, je viens encore vous parler. Parce qu'il est de notre devoir. À chaque fois nous nous retrouvons dans la présence de Dieu de parler encore de sa part. C'est pourquoi nous allons encore parler ce matin. Et ce matin je ne serai pas prophétique, je ne serai pas apostolique, mais je serai trop évangélique. Alléluia. Amen. Et lorsque j'étais en train de préparer mon message, hier un esprit qui me disait en moi qu'aujourd'hui il y aura peu d'amen parce qu'il n'y aura pas de la bénédiction, mais il y aura des choses essentielles par lesquelles on peut passer pour avoir la bénédiction. Bien que les amen seront rares, nous allons quand même parler. Si j'avais un esprit de la chair, j'allais changer. Comme les amen seront rares, non, je ne parlerai pas sur ça. Mais l'esprit m'a convaincu d'en parler. Alléluia. Amina. Mais celui qui donnera amen sera extraordinaire au travers son amen. Alléluia. Amina. Parce que l'amen qui viendra dans la rareté sera spécial de plus que qui donne amen dans plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prendre nos Bibles. Nous sommes en Jean chapitre 20. Jean chapitre 1 plutôt. Le verset 20. Plutôt. Jean chapitre 20 verset 31. Yohanos sura yake ya 12 mstari yake ya 31. Nous allons lire dans Jean chapitre 20 verset 31 au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole? Alléluia. Amen. 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 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Christ et le Fils de Dieu, qu'en croyant que vous ayez la vie en son nom. Tel est notre test de base. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler sur le nom de Jésus. Tel est le thème de ce matin.
Dieu. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Le nom de Jésus. Mandina ya Yesu. Alléluia. Amina. Je vais parler sur le nom de Jésus. J'espère bien que nous connaissons plusieurs noms de Jésus. Si on essaye de les citer ici, on ira jusqu'à 100 peut-être. Parce que Jésus a plusieurs noms. Alléluia. Amina. Nous allons parler sur le nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, chaque nom identifie une personnalité. Quand on parle de nom, ça représente une personnalité. Aussi, ça démontre les capacités de la personne. Donc on peut identifier quelqu'un par son nom, au travers aussi ses capacités, soit aussi par sa mission. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on est en train de nous dire que toute chose a été écrite afin que, pour que nous sachions que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a porté plusieurs noms? Alléluia. Amen. Nous connaissons tous, tout un chacun peut avoir deux ou trois noms. Mais pourquoi Jésus lui a plusieurs noms? Jésus-Christ, par ce nom, il nous montre sa capacité, il nous montre sa possibilité, il nous montre son savoir-faire ainsi que sa mission. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Comme Jésus a plusieurs noms, on ne t'aura pas parlé de tous les noms. Mais nous allons choisir quelques noms qui vont devoir nous bénir ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas déclarer la bénédiction, mais juste ces noms vont te bénir. Les noms que nous allons parler ce matin vont te bénir encore. On nous lit Matthieu chapitre 1 verset 21 à 23. Nous lisons Matthieu chapitre 1 le verset 21 jusqu'au 23e verset au nom de Jésus. Amen. Et l'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle d'un autre nom de Jésus. Et le premier nom sur lequel je veux parler, c'est Emmanuel. Alléluia. Amen. Dans le test de base, on nous a parlé que Jésus est fils de Dieu. Il est Christ. Ici, on nous parle de l'Emmanuel. Le premier nom sur lequel je veux parler, il est Emmanuel. Inakuya Emmanueli. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Encore Emmanuel. Inakuya tena Emmanueli. Pourquoi toutes ces choses? Jua nini tena bile bitu? Pourquoi son nom? Jua nini jina yake? Et la Bible déclare. Biblia tangaza. Emmanuel. Emmanueli. Signifie tout simplement. Inasemezea tu. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Alléluia. Amina.
Dieu avec nous. Jésus-Christ est venu comme étant Emmanuel. Il est venu comme étant un Dieu au milieu de son peuple. Qu'est-ce que Dieu a vu au milieu de son peuple? Qu'est-ce que Dieu a senti au milieu de son peuple afin qu'il soit là? Alléluia. Amen. Nous savons tous que le demeure de Dieu, c'est dans les cieux. Comment est-ce qu'encore Dieu peut être au milieu de son peuple? Pourquoi Jésus a eu ce nom? Pourquoi on l'appelle Emmanuel? Alléluia. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Jésus a reçu ce nom. Yesu alipokea ile jina. Parce que dans l'ancien temps, au ciel, Kumbingu, il y avait quelqu'un qui était parmi les anges. Cette personne avait pris la décision de se révolter contre Dieu. Et c'est le diable. La Bible dit, le diable a voulu créer le désordre au ciel. Il voulait s'opposer à Dieu. Il voulait s'égaler à Dieu. Il a créé ce désordre. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je n'avance, si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une servante de Dieu, il ne faut jamais aimer le désordre. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il n'aime jamais le désordre. Parce que Dieu, lui-même, il n'aime pas le désordre. Car la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi en tant que son fils, en tant que son serviteur, en tant que sa servante, tu ne dois pas être dans le désordre. Dans tes affaires, il ne faut pas qu'il y ait le désordre. Parce que le Dieu que tu es en train de servir, c'est un Dieu qui n'aime jamais le désordre. Come on. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et aussi nous devons éviter les désordres. Dieu a constaté que le diable s'est révolté. Il veut devenir aussi Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi vous qui serez des grands entrepreneurs, vous qui aura des entreprises, si tu constates que dans ton entreprise à toi, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, il est mieux que tu te débarrasses de lui. Alléluia. Amina. Si dans tes affaires, tu constates qu'il y a un opposant, il est grand temps de te séparer de lui. Pourquoi? Parce que il va toujours influencer ton entourage. Lorsque le diable a créé du désordre, et la Bible dit, notre Dieu, il est lent en colère. Au moment qu'il avait créé ce désordre, Dieu l'observait. Et pendant que Dieu l'observait, le diable lui influençait déjà les autres. Il y a d'autres anges qui ont été influencés par le diable. Parce que Dieu observait d'abord le diable. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, si tu restes dans un milieu où tu n'es pas capable d'influencer, c'est mieux que toi tu quittes ce milieu. Si ton entourage, c'est un entourage de pécheurs, et que tu n'es pas dans la dimension d'influencer ces pécheurs, il faut que tu y quittes. Si tu y demeures, c'est toi qui seras influencé. Yes. Alléluia. Amen. Le diable a influencé d'autres anges pendant que Dieu l'observait. Et à un moment, Dieu a pris la décision de précipiter le diable. Le diable a été précipité. On l'a précipité au ciel. On l'a jeté sur la terre. Alléluia. Amen.
il a été précipité. Et lorsqu'on l'a précipité, la Bible dit en Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre. Errer le cieux. Lorsqu'on a précipité les diables. Au ciel, il y avait la joie. Le ciel était heureux. J'aimerais dire à une personne, si on enlève quelque chose de mauvais dans ta vie, tu seras le bienheureux. Si en toi, il y a quelque chose qui ne marche pas, et qu'on arrive à la lever, tu seras le bienheureux. Et la Bible dit, errez les cieux, parce que les diables étaient précipités sur la terre. Malheur à la terre, parce que les diables est descendu, animé d'une grande colère. Alléluia. Amina. Le diable a été précipité sur la terre à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il s'est révolté contre Dieu. On l'a précipité sur la terre, et la Bible dit que malheur à la terre. Qui est la terre? La terre, c'est toi et moi. Malheur à nous, parce que le diable est animé d'une grande colère contre toi, contre ta vie, contre maisha yako, contre tout ce que tu fais, contre bila bintu nafanya. Et alors, natena, quand quelqu'un reçoit une faveur de Dieu, wakati mtu anapokea neema ya Mungu, il a toujours eu des ennemis. Anapataka paka baadui. Pourquoi le diable est en colère? Tu as ni shetani yako na kasirani. Parce que lui, il a péché. Ye alifanya nzambi. Mais il n'a pas été sauvé. Ashikuya tena mokombozaji. Toi, wewe, tu as péché. Unafanya nzambi. Mais tu es un sauvé. Unakuya tena mokovu. C'est pourquoi le diable, kwa maana shetani, il est contre toi. Anakuya tena kupigana na wewe. Il est en colère contre toi. Anakuwa na kasirani tena na wewe. Parce que toi quand même, tu as fait les péchés. Et Jésus-Christ est venu te sauver. Lui, il a péché. Directement, il a été précipité. J'aimerais vous donner un exemple. Nous sommes devant Papa Tshishika. Il prend un 10 000 francs. Il donne au bien-aimé Ken. Moi, il ne me donne rien. Directement, Papa Tshishika nous divise. Pourquoi? Parce que lui, il a une faveur. Mais moi, je suis privé de cette faveur. Je ne serai pas content de lui. Non seulement je vais le haïr, aussi je vais haïr Papa Tshishika. Parce que je vais me demander, qu'est-ce que moi je fais pour qu'il ne me donne pas l'argent? Qu'est-ce que lui a fait pour qu'on lui donne l'argent? C'était même avec les diables. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu aies un sauveur? Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu sois là ce matin? Tu étais dormi, tu t'es réveillé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi le diable, il ne sera jamais content de toi. Une faveur de la part de Dieu nous crée toujours des ennemis. Même si tu dis que toi tu es aimé partout, tu es aimé, sache que va autant des hommes qui t'aiment, c'est le même nombre de gens qui te haïssent. Parce qu'il n'y a jamais une faveur qui ne peut jamais nous attirer des ennemis. Toute faveur de la part de Dieu nous attire des ennemis. Bien aimé, sache que autant que Dieu te bénit, autant que Dieu te fait du bien, il y a toujours des ennemis qui t'ajoutent. J'aimerais vous dire une chose. Fa autant qu'on a prophétisé les gens ici, fa autant le combat s'est multiplié, fa autant on a déclaré des belles paroles sur ta vie, c'est le même nombre des ennemis qui s'ajoutent. C'est pourquoi le diable ne sera jamais content de ta vie. Il veut
toujours te tuer. Il veut toujours te tourmenter. Parce que ce que toi tu as reçu, lui il n'a pas eu la grâce de la voir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux moja? J'étais en train de me demander. Pourquoi Jésus a reçu le nom d'Emmanuel? Le même Dieu. Mungu moya moya. On l'appelle Dieu. Mungu. On l'appelle Fils de Dieu. Mungu. On l'appelle Rédempteur. Rédempteur. Tous ces noms-là. Yote yote. Et Emmanuel encore. Emmanuel tena. Pourquoi il a eu ce nom? Je te réponds. Parce que lorsque Dieu a précipité les diables, la Bible déclare que nous étions dans le malheur. Parce que le diable est en colère contre nous. C'est pourquoi lorsque Dieu a envoyé les diables, il a constaté que la terre est dominée par les diables. C'est le diable qui fait la loi. Toute chose est terminée par lui. Il a constaté que il y a une personne qui est en danger. Il y a mes enfants qui sont en danger. Comme je suis Dieu, je prends le corps. Je prends le corps. Je descends sur la terre. Et je deviens l'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Il est Emmanuel. Parce qu'il a constaté que tu étais en danger. Il est Emmanuel. Parce qu'il a constaté que tu étais face à l'attaque du diable. C'est pourquoi il a pris le corps. Il devient un Dieu parmi nous. J'aimerais t'informer une chose. Malgré que tu es en train de passer des moments difficiles, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Malgré que tu es en train de souffrir, tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a ce qu'on appelle Emmanuel. Il y a celui qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est pourquoi David est ici. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait, à côté de moi, il y a un Dieu avec moi. J'aimerais dire à une personne, dans ton combat, dans tout ce que tu fais, tu n'es jamais seul. Tu es avec Dieu. L'Emmanuel. Dieu avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Emmanuel. C'est parce qu'il nous a vus en danger. Il a constaté que le mariage de cette maman est en danger. Le diable domine ce mariage. Les affaires de ses frères sont en danger. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prenne le corps et que je sois au milieu de lui. Que je sois l'Emmanuel. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. C'est parce qu'il a constaté que le diable est attaqué. Il est un Dieu qui est à côté de toi. C'est un Dieu au milieu de nous. Je dis c'est un Dieu au milieu de nous. C'est un Dieu au milieu de nous. Même si quand tu es dans la route, rassure-toi, qui est à côté de moi, il y a celui qu'on appelle Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Kuya Emmanuel. Jésus. Mungu. Il a pris les corps. Anaba mwili. Afin que kwa mana nous soyons sauvés. Tutu okolewe. Et une chose. La kitu ki mungine. Quand Emmanuel. Wakati Emmanuel. Vient sauver une personne. Anakuwa kokoa mutu. Lui, il ne reste pas vivant. Yashibaki emujima. Mais il meurt. Anakufuaka. C'est ça la différence. Dieu nakuwa kwa tianisho. Soit la spécialité de l'Emmanuel. Wala konesha kwa Emmanuel. Quand une personne veut te sauver, la première des choses, il pense à sa propre sécurité. Anangalia tena kwa sécurité yake.
Tu es en danger. Quand l'homme veut venir te sauver, il va d'abord se rassurer. Attends, après avoir te sauvé, si il sortira vivant. Mais quand Jésus vient, lui il sauve. Il ne garantit même pas sa vie. Il ne voit pas ses avantages. Il ne voit pas ce qui lui revient. Mais la première des choses qu'Emmanuel regarde, c'est ta vie. Il est capable. Capable de sacrifier sa vie afin que toi tu aies la vie. C'est ça au moins. La spécialité de l'Emmanuel. Il n'est pas comme un homme. Parce que l'homme va regarder sa sécurité. S'il constate qu'il n'y a pas la sécurité, il ne va pas te sauver. Mais quand Jésus vient, même si tu es dans la fourneuse, lui il va entrer pour te sauver. C'est ça Emmanuel. Même si tu es dans une fosse au lion, comme il est Emmanuel, sa vie là, Emmanuel, il ne regarde jamais sa vie. A Shangari, ce qui le préoccupe, c'est ta vie. Il va entrer afin de te sauver. Alléluia. Amina. C'est le premier nom de Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Parce qu'il a vu que nous étions en danger. Et le deuxième nom qui va encore nous bénir ce matin, c'est l'agneau. N'est-ce pas, on l'appelle l'agneau. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Pamoja. On l'appelle aussi agneau. L'agneau. Kondo. Pourquoi Jésus a choisi le nom de l'agneau? Qu'est-ce que cette bête a fait pour que Jésus se compare à lui? Quel est le rôle de cette bête pour que Jésus prenne son nom? Alléluia. Amen. Il y a une raison. La première raison, parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a jamais été injuste. Notre Dieu est juste. C'est pourquoi la Bible dit, comme Dieu est juste, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. Donc comme Dieu est juste, on est appelé à être juste, n'est-ce pas? Alors on appelle Jésus agneau. Parce que Dieu est juste. Je vais m'expliquer. Vous savez, dans l'ancien temps, ceux qui avaient la révélation de l'agneau, il n'y avait que les enfants d'Israël. Alléluia. Amina. Hosanna. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui avaient la révélation de l'agneau. C'était les enfants d'Israël. À chaque moment qu'ils péchaient, ils prenaient le sang de l'agneau pour l'Holocauste, afin que leur péché soit couvert par cet agneau. Les autres tribus n'étaient pas concernés. Comme toi et moi, nous sommes Congolais. Donc cette pratique ne nous concerne pas. Donc comme nous sommes Congolais, donc nos péchés allaient être comme ça. Parce que ceux-là, que le sang de l'agneau couvrait leurs péchés, ce n'étaient que les enfants d'Israël. C'est pourquoi, lorsque l'ange voulait passer en Égypte pour détruire tous les premiers-nés des Égyptiens, les enfants d'Israël avaient eu cette révélation de l'agneau. Ils avaient immolé l'agneau. Ils ont mis sur les lentons. Et cette malheur ne leur avait pas atteint. Pourquoi? Parce que cette révélation les appartenait. Alléluia. Amina. Donc toi et moi, dans l'ancien temps, notre place au ciel
n'était pas là. On n'avait pas une place au ciel. Il n'y a que les enfants d'Israël que Dieu considérait comme étant ses enfants. Alors par son amour, après avoir que Jésus soit appelé Emmanuel, Emmanueli, il est venu comme étant l'agneau. Alléluia. Amen. Il est venu comme étant l'agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il était en train de baptiser les gens, en disant repentez-vous, lorsque Jésus était arrivé, il a eu cette révélation en disant voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ n'est pas cet agneau qui couvrait le péché des enfants d'Israël, mais il devient l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas pour les enfants d'Israël qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi la Bible dit quiconque qui va croire au nom de Jésus sera sauvé. Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. J'aimerais vous montrer la spécialité de Jésus comme étant l'agneau. Est-ce que je peux avoir une vase, soit une panne? Alléluia. Amen. J'aimerais démontrer comment est-ce que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Ça représente la vie d'une personne. Ça représente ta vie. L'agneau de l'ancien temps, lui, quand on les sacrifie comme ça, il va couvrir le péché de cette personne. Vous savez, quand on couvre quelque chose, même si on enlève le couvre, cette chose restera intacte. Mais cet agneau, lui, il couvrait seulement. Quand on couvre, c'est une façon d'oublier. Tu avais péché. Bon, quand même, j'oublie ça. Mais ce n'est pas pardonné. On l'oublie. Mais Jésus-Christ est venu comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui, il n'est pas venu couvrir, mais il est entré dans nos cœurs pour ôter nos péchés. Alléluia. Amen. C'est ça la spécialité de Jésus. Il ne couvre pas, mais il entre dans nos cœurs afin d'enlever nos péchés. Il est l'agneau. C'est lorsque il ôte tes péchés à toi. Et comment est-ce que le péché sera ôté? C'est en croyant en son nom. Juste en croyant au nom de Jésus, il ôte tes péchés. Il ne va pas les couvrir. Même si tu étais un grand voleur, il ôte ses péchés. Même si tu étais un grand impudique, il ôte l'impudicité. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est baptisé, il devient une nouvelle créature. C'est lorsque Jésus va enlever toutes les choses anciennes et tu deviens une nouvelle créature. C'est ça. Au moins l'agneau que Jésus est. Alléluia. Amen. Lui, yeah, il pénètre dans le cœur de l'homme pour détecter tout ce qui est mauvais et l'enlever. Il vient pour enlever nos péchés. C'est le rôle de l'agneau.
Bien-aimé, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, lorsqu'on avait cru au nom de Jésus, certainement il a pris ce travail-là d'ôter nos péchés afin que nous soyons semblables à lui. Alors c'est catastrophique quand tu es encore enfant de Dieu et que tu es l'ami du péché. C'est catastrophique. C'est étonnant. Est-ce que l'agneau a déjà ôté tes péchés? Parce que c'est ça le rôle de Jésus. Il vient pour ôter nos péchés. Bien-aimé, j'aimerais que ce message puisse toucher ton cœur et que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Si tu n'arrivais pas à te priver de beaucoup de choses, apprends à te priver d'autres choses afin que Jésus entre dans ta vie. Il est l'agneau. Il a été immolé pour ta vie. Come on. Il n'y a pas un grand miracle que si tu étais condamné à mort et que soudainement on vient te dire que tu as le droit à la vie, c'est bien de te parler des miracles comme on nous a parlé des miracles. On a été ici très en mouvement au nom des miracles. Je viens encore te rappeler le Jésus que nous parlait qui donnait les miracles. Premièrement, il a été l'agneau afin qu'il te donne encore les miracles. C'est-à-dire le miracle qu'on nous a promis, nous devons l'attendre en étant dans la crainte de la parole de Dieu, en craignant Dieu comme il se doit. Toi qu'on t'a dit que tu seras marié, il est grand temps que tu abandonnes d'abord l'impudicité. C'est maintenant que le mariage va venir. Comment est-ce que tu prétends avoir un bon boulot pendant que tu es un grand voleur? Bien-aimé, dans les jours à venir, tu vas injurier même le prophète qui est passé ici. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas voir ces miracle. Mais tu vas oublier que la vie des péchés, tu ne l'avais pas abandonné. Le miracle a un nom. Ton miracle à toi a un nom. C'est ce qu'on nous a dit. Et aussi, ton miracle là, qui a un nom, va passer par les canaux de la crainte de Dieu. C'est maintenant que ce miracle aura un nom. Je ne te mens pas. Tu ne verras jamais ce miracle une fois que tes péchés ne sont pas ôtés. Come on. On te prophétise ici. On déclare des bonnes paroles. Après le marathon, tu rentres à la maison. Bras croisés. Tu commences à attendre les miracles. Ça sera difficile. On te prophétise. Tu es marty. Tu es ici. On te prophétise. Tu es jeté. Tu es ici. On te prophétise. Chaque jour à l'église, tu es présent. C'est maintenant que tu verras ces miracles. Jésus-Christ l'agneau immolé, c'est lui qui ôte le péché du monde. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux. Une fois que tes péchés sont pardonnés et ôtés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais citer avec un dernier nom. Nous avons parlé de l'Emmanuel. Dieu a vu notre danger. Il est venu pour nous sauver. Et deuxièmement, il est venu comme étant l'agneau.
pour ôter nos péchés. Et troisièmement, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi des rois. J'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie pour le roi des rois. Que nous puissions pousser des cris de joie pour le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus-Christ est comme falme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est le roi. Et comme falme. Il est le roi en croix. Et comme falme monini. Jésus est roi en croix. Yesu comme falme monini. La Bible dit. Bible la sème. Jésus est le roi des rois. Yesu comme falme ma falme. Je vais vous répondre. Mais la quoi comme dit bien. Il est le roi. À la quoi comme falme. Parce qu'il nous a fait quitter. Dieu toche dans le royaume du prince de ce monde. Mou aliaou. Dans le royaume du prince de ce monde pour nous amener dans son royaume. Il est le roi des rois parce qu'il a un royaume préparé pour toi, préparé pour tes affaires, préparé pour ton mariage, préparé pour tout ce que tu entreprends. Il est le roi. Le roi. Où nous devons l'adorer. Tu n'as pas chassé mon aboudou. Alléluia. Amen. Jésus est roi. Yesu comme parce que nous avions été l'autre fois par les dans le royaume des pécheurs. Dans le royaume où le diable dominait. Alors il nous a transformé, il nous a transporté dans un royaume des saints. Où il est en train de régner. Comme étant roi des rois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce royaume, mais cet royaume ne nous appartient pas. Si toi tu fais des choses comme si c'est chez vous, tu es en train de te tromper. Si tu es sur cette terre en croyant que c'est ici chez vous, tu te trompes. Nous avons un royaume. Cet royaume, nous sommes là bien sûr. Mais il ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Dans le royaume qui nous appartient, il est tout équerre. Il n'y a que l'adoration. On a coupé par Mahabudu. Il n'y a que l'adoration. On a coupé par Mahabudu. Bien-aimé, Jésus est roi. C'est lorsque nous l'adorons. Dans le royaume de Dieu, juste quelle adoration qui domine. Si tu te sens sauvé, si tu sens que Jésus t'a sauvé, tu as le droit de l'adorer. C'est pourquoi, au moment où je méditais sur ça, moi je pris la décision. Le jour où je serai à la modération, je ne demanderai à personne de s'agenouiller pour adorer Jésus. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Elle a donné le nom au-dessus de tous les noms afin que ton genou fléchisse devant le nom de Jésus. C'est lui qui se va sauver. Ah, il veut adorer. Il y a de soi-même à Jésus. Parce qu'il sait que le royaume dans lequel j'appartiens, c'est un royaume des adorateurs. C'est un royaume des adorateurs. Si tu es sauvé par Jésus, apprends à adorer. Cher choriste, quand vous adorez ici, fléchissez vos genoux parce que c'est lui que vous êtes en train d'adorer. Il est le Dieu puissant. La Bible dit, le 24 vieillard, le Saint des Saints est en train de l'adorer jour et nuit. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint.
mutakatifu. Mais toi, mais lakini we, peut-être parfois tu es un pécheur. Pe, pengine lazingine kumta na nzambi. Tu as cet orgueil. Unabeba ile ma orgueil. C'est s'agenouiller devant Jésus-Christ. Ya kutuanga magoti kumbele ya Yesu. Non. Apana, apana. S'il faut. Kama inaendelea. Qu'on te suspende. Bana bakususpende. Par le président de Corista. Ba président wa Corista. C'est bien que vous le faisiez. Inapashi mwe. Parce que le Dieu que nous adorons. Mungu wetu kunaabudu. Il mérite nos genoux. Ana staili magoti. Il mérite nos genoux. Ana staili magoti. Si tu es député, Kamoku, député dans le royaume de Jésus, il faut s'agenouiller. Il faut s'agenouiller. La Bible déclare, l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en réalité. Nous devons adorer Dieu, pas parce que les gens puissent nous voir, pas parce que les gens constatent que nous adorons, mais prenons l'engagement quand nous adorons Dieu. Que Dieu sente que tu l'adores. Ne t'agenouille pas. Parce que ton voisin est agenouillé. Mais agenouille-toi. Pour que le roi des rois te voie que tu es à genoux devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Toutes choses fléchissent. Je t'informe. Ta maladie à toi devant le nom de Jésus fléchissent. Les célibats devant le nom de Jésus fléchissent. La sorcellerie de la famille devant le nom de Jésus fléchissent. Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Que le nom de Jésus puisse bénir ta vie au nom de Jésus. Je suis le roi des rois.
My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rabashaya. My God. Malik class to the paria. Yes, sir.
glace ta guerre et ma sopela. Et à travers ton adoration de ce matin, Dieu me dit est en train de guérir quelqu'un. Lire pas l'Iba. Yabon Shalabaya. Repalibos. Makaya Boshani. Masia. Kuko bintu bingine unapusaka parce qu'on a chinois au tijou chambele yaki. Yes. Kuko bingine aina tasema uvunje. Il suffit seulement de se prosterner devant lui. Yes, sir. Aina sema paka kama upomone wangusha ufanye je. Ikurishusha tumbele yaki. Yes. Kumwabudu wa utakuyaka papa waki. Wa utakuyaka mufalme waki. Yes. Baka pa tu adore kuko muntu le bana tunza. Baka mu adoration. Yes sir. Aba akuna ula ku imposer mukono. Me pale una twanga magoti. Magoti wako na bakia magoti. Na mina kwa kikishia. Wende ku hospital. Bende bakupima ina magonjo aina kote. Yes sir. Mungu ako bien sana. Yes. Hallelujah. Amen. Kama tu kama wakati ilikuwa tu ya mingi isa tu continue sana na hivi tupita mama ya ofrand wala kwa Nadim atakaribia Nadim apate mombea Jesus. Pita mama ma offrande ordinaire. Ulana na enveloppe autoya matanyolosha tu mokilo le papa te mpa jam enveloppe. Ulana na enveloppe anyolosha kilo le mpa jam enveloppe. Na ivi pa mwa na ordre ba protocole. Toa kwa kutoa. Karibu. Oh,
Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama na yekolo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama na yekolo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama na yekolo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, amen. Kumama na yeko.